Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous lecture de la bibliothèque de Derghem. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui est tirée des plaquettes publiées dans le cadre de la Fureur de lire, une opération de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si vous aimez cette histoire, je vous rappelle que ces récits sont disponibles en ligne, gratuitement, sur le site de la Fureur. En dessous de la vidéo, vous retrouverez plus d'informations. Vous êtes prêts? C'est parti pour un bon petit voyage. Auteur de Sophie Daxelet. Tric, trac, j'ai oublié la clé dans mon sac. Tric, trac, voilà une histoire qui sort de mon sac. Dans la savane africaine, une girafe rêve. Elle rêve de voir plus loin, plus haut que l'horizon. Plus loin que ce paysage qu'elle connaît par cœur. Elle souhaiterait être sur le toit du monde, sur l'Himalaya, plus haut que l'Annapurna. Lorsqu'elle ouvre les yeux, une montgolfière flotte, juste à la hauteur de son regard. « Je m'appelle Suk, je viens du pays des montagnes célestes, la Mongolie. J'ai entendu ton souhait. Monte dans la nacelle, je t'amène. C'est le début d'un grand voyage, périlleux à bien des égards. La girafe essaye de se faire toute petite, toute légère. Mais le ballon perd de l'altitude, terre en vue. Il continue leur route à pied. Leur passage ne manque pas d'étonner les habitants des pays traversés. Le mont Everest, appelé aussi Chomolungma, est maintenant à deux pas de la girafe et de son compagnon. La girafe se demande si, de là, elle peut voir sa savane natale. Suk, lui, contemple la lune et se dit que de tout là-haut, la terre doit être encore plus belle. C'est comme ça, notre histoire, elle finit là.